J'écris des textes, boy, je fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin, donc j'ai essayé de l'appeler. Et je lui envoie un texte, car cette fille m'a plu. Et elle me répond, t'aurais pu essayer de m'appeler, hein. J'écris des textes, boy, je fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin, donc j'ai essayé de l'appeler. Et je lui envoie un texte, car cette fille m'a plu. Et elle me répond, t'aurais pu essayer de m'appeler, hein. Salut, moi c'est Antoine. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Une histoire d'amour, dramatique, qui m'a marqué à tout jamais. Moi j'écris un texte par soir, depuis l'époque des balançoires. T'étais pas là, j'cris ma parade, l'enfance cachée dans le tiroir. Bah j'suis dans ma bulle, boy, je manque. Ça vient de sonner. Vous allez arrêter ? Terminé pour aujourd'hui. Yes. Vous êtes éloigné les ordinateurs dans le silence, s'il vous plaît. Oui. Antoine. Au revoir, monsieur. Au revoir, bonne journée. Venez me voir deux minutes, s'il vous plaît. Oui. Alors, moi, je voulais juste vous remettre la dernière copie. Je suis satisfait de vous. Très content. Félicitations. À 16, merci. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Au revoir. Ouais, du coup, il voulait quoi le prof de maths là tout à l'heure? Bah, il m'a rendu ma note. J'ai eu 16. 16? Hein? Mec, mais ça se fait de ça? Attends, attends, j'ai une bête d'idée là. Ce soir chez Mathéo, il y a une bête de soirée avec un max de meufs. Chez Mathéo? Et puis des meufs. Et puis je les connais pas, ces potes. Mais de toute façon, t'as pas le choix, hein. Je leur ai déjà dit que tu venais. Si tu veux. Oh, mec, c'est pas ton bus là? Oh putain, si! Vas-y, à toute ma poule! Salut, mec! Salut. C'est pourquoi? C'est Martin. Hé hey, Antoine, mon pote, comment ça gaze? Allez, rentre là, fais pas le timide. Fais comme chez toi. Des pieds, non? Bon les mecs, sans plus attendre, je vous présente mon pote, Antoine. Salut. Bon alors, on la commence cette soirée ou bien? Ouais. On dévale la pente, pas besoin de courir, boy. J'ai toute la vie, j'ai bien le temps d'attendre. On débarque à 30, on est tous en roue. Alors, comment ça va, mon con? Bah, ça va pas, mais enfin, je connais pas grand monde, donc. Mais quoi, fallait m'en parler, allez, je vais te présenter quelqu'un. Regarde, voilà Julie. Tu vas voir, elle est très sympa et même, je pense qu'elle va te donner des ailes. Allez, là, fais tout pour ma story? Ouais! Frappe-moi, je t'empoisonne. Tu que ma vie, elle est bizarre. Tu que mon corps, il est bizarre. On sait des portails bizarres, mais t'inquiète, je vois toujours dans le blizzard. Hey, on fout la merde aux trois quarts. Je goûterai plus à la droga. Parce que l'être dans le placard était plus chelou qu'un manga. Vas-y, balance ton flow. Oh. Pas besoin de beaucoup de flouze. Tour du monde en sac à dos. Oh. On se rejoindra à Toulouse. J'ai pas besoin de leur merde dans le mental. Si tu m'abats, tu le démontres mal. J'ai pas besoin de l'emmerde dans le mental. Si tu m'aimes, tu le dis. On dévale la pente. Pas besoin de courir, boy. J'ai toute la vie, j'ai bien le temps d'attendre. On débarque à 30. On est tous enroulés, boy. On fiche l'argent, le tas, on n'est pas à vendre. Oh, tous enroulés, 30 dans le bolide. Grandi dans la rue, moi j'en de la police. Tu vois le mytho, tu viens du ghetto, pourtant t'es vegan. Tu veux le micro et t'es un rappeur, pourquoi tu bégayes? Vas-y, vas-y, raconte ta vie, mais je m'en bats les couilles. Certains des miens m'ont trahi, donc j'en plus les coups. Des gaines de player, je rentre dans le bar, je me guette ta sœur. Des gaines de rappeur, et les MC va y s'asseoir. Des gaines de fraudeur, moi mes guiches sont dans la sauce. Des gaines de menteur, bah en fait tout ça c'était faux. Bordel, mon pote. Hier, t'étais comme un ouf. Je te reconnaissais pas. Je te l'avais dit qu'elle donnait des ailes, cette Julie, hein, ma poule. Ouais, très drôle. Allez, faut que je bouge, là.
T'as pas l'air motivé. Bon, allez, je vais t'aider. Allez, dans mes bras. Salut. Vas-y, bah bon retour. Hein. Salut. Je vous avais dit, il est énorme ce mec. Oh, il va jamais rentrer. Alors, comment il va mon champion? Ça va, ça va. Tu t'es bien remis? Ouais, ça va. Ouais. Eh, franchement, je t'avais jamais vu comme ça. Hein. Honnêtement, c'était magique. Ouais, c'était... Ouais, chouette soirée. Ouais, c'était beau, ouais. Ouais, c'était cool. Bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que vous avez commandé? Il vous faudra quelque chose avec ceci? Un jus d'orange, s'il vous plaît. Ok, d'accord, très bien, je vous l'emmène. Oh, tu peux me dire ce qu'elle fout ici, là? Ça va, calme-toi. Mais mec, on est mardi, il est 16h, je trouve que tu déconnes. Non, mais j'ai le droit de me faire plaisir un peu. Te fous pas de ma gueule, mec, c'est hyper dangereux. Tu vas pas me faire la morale non plus. Fais pas la morale, je suis en train de te prévenir que tu te mets en danger. Je me mets pas en danger. Et voilà, pas du tout. Merci. Ça vous apporte d'addition. Oui. Martin m'a dit qu'il fallait qu'on arrête de se voir. En même temps, il piche que dalle, de toute façon. Il n'y a pas besoin de ça, lui. Tu peux partir. Je navigue sur les vagues de ces courbes. J'en profite parce que une nuit c'est court. Sur le plancher d'échecs, t'es la reine, tu la tour. Tu dois être le volant qui me tient sur la route. On a pacté le coffre de la voiture. Je t'aime, je t'adore, mais le vois-tu? Mais le vois-tu? J'allume ma clope, la lune est belle. Mère d'étoiles, je ne voyais qu'elle. Marre de toi, je regarde le ciel comme une partition qui m'égare du sol. Je me barre de là, je ne serai plus seul. L'envie de sentir ton groove, t'es plus intéressant que ton boule. J'ai lâché ta main dans la foule, voir si je peux te reconnaître parmi les fous, yeah, yeah. L'envie de sentir ton groove, t'es plus intéressant que ton boule. J'ai lâché ta main dans la foule, voir si je peux te reconnaître parmi les fous, yeah, yeah. Je navigue sur les vagues de ces courbes. J'en profite parce que une nuit c'est court. Sur le plancher d'échecs, t'es la reine, tu la tour. Tu dois être le volant qui me tient sur la route. Ça peut paraître bizarre, mais ce moment a eu une grande importance dans ma vie. Savoir s'accepter, ce n'est pas le plus facile, et puis c'est bien plus simple de fermer les yeux. Vous allez arrêter, s'il vous plaît. Éteignez les ordinateurs. Vous pouvez sortir dans le silence, comme d'habitude. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Monsieur. Merci à vous. Eh bien, Antoine. Dites-moi, ça n'a pas l'air d'aller, là. Tout le monde s'en fout, de toute façon. Ah. Moi, je m'en fous. Oui, CPE? Oui. Ouais, c'est au sujet d'Antoine, là. Ah bah... Ouais, là, c'est plus qu'inquiétant, là. Oui. Ah bah écoutez, je vais venir vous voir. Hop, 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 salut tout le monde! Les joies de la soirée! Putain, mais pourquoi tu la gifles? Oh, t'en as pas besoin, quel soir! J'en ai besoin! Non! J'aurais jamais dû te la présenter! Si tu préfères vivre dans ce monde, plutôt que dans le nôtre, bah c'est ton problème, mon pote, mais un jour tu finiras seul! C'est facile de dire ça quand on est caricature de soi-même! Hein, monsieur? Putain, nous, on se comprend! Bah justement, je te comprends plus, mon pote! Antoine? Antoine, réveille-toi! Antoine? Allez! Antoine! Putain, mais Antoine! Réveille-toi, merde, mon pote! Il va crever là, François! Appelez les sourds, quelqu'un, merde, bougez-vous, la bande de cons, merde! Ça va être ma boîte aussi! Mais d'accord, c'est bon, on va être là, on va être courageux!
c'est normal. On va attendre un petit peu, que vous soyez bien réveillés, et je vous donnerai quelque chose. Vous êtes qui? Alors, je suis votre infirmière. Vous vous souvenez de quelque chose par rapport à hier soir? D'accord. Vos amis nous ont contactés. Vous aviez un très fort taux d'alcoolémie. À peu près 3 grammes. Mais ça veut dire que... Voilà. Après ça, mes amis ne m'ont plus lâché. Grâce à eux, les conneries, c'est fini pour moi. Mais malheureusement, des milliers de personnes vivent la même chose chaque année, sauf qu'elles n'ont pas la chance d'avoir des amis pour les sauver. Quand j'y repense, je dois bien avouer que ma descente m'a ouvert les yeux. Mais maintenant, je vous le demande. Les vôtres sont-ils ouverts? J'écris des textes, boy, je fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin, donc j'ai essayé de l'appeler. Et je lui envoie un texte, car cette fille elle m'a plu. Et elle me répond, t'aurais pu essayer de m'appeler, hein. J'écris des textes, boy, je fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin, donc j'ai essayé de l'appeler. Et je lui envoie un texte, car cette fille elle m'a plu. Et elle me répond, t'aurais pu essayer de m'appeler, hein. Tu m'as dit ta vie est triste, t'es fragile comme du cristal. Tu m'as fait une autre crise, j'en ai composé un freestyle. Et tes cernes m'attristent, tu rentrais dans aucune case. T'as perdu le Tetris et Fred pour un nouveau freestyle. Moi j'écris un texte par soir, depuis l'époque des balançoires. T'étais pas là, j'cris ma parole d'enfance cachée dans le tiroir. Là j'suis dans ma bulle, boy, je manquais d'oxygène. Résultat d'une relation toxique. J'écris des textes, boy, j'fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin, donc j'ai essayé de l'appeler. Et j'lui envoie un texte, car cette fille elle m'a plu. Et elle me répond, t'aurais pu essayer de m'appeler, hein. J'écris des textes, boy, si tu me chercherais à la biblio. Si tu me trouves pas, et bah allume ta radio. Simple et facile comme dans une vidéo. Ma vie s'est confondue avec mes idéaux. Est-ce qu'on a retourné nos vestes? Brûlé nos vestiges. Moi qui a voulu être un tableau, oubliant que j'ai le vertige. Ah!